tu peux te présenter en quelques mots et nous dire du coup quelle a été ta lutte et comment ça s'est passé? Je m'appelle Jean-Luc Massalange, je suis professeur des écoles ici à Pontoile. Enfin, en fait, j'étais professeur des écoles à Pontoile. La lutte, elle a démarré il y a un peu moins d'un an maintenant, le 18 janvier exactement, à l'annonce de la fermeture brutale de l'école. On a été très surpris parce qu'on s'attendait à un aménagement scolaire et non pas une fermeture brutale de toute l'école. Ensuite, bien sûr, il y a eu toutes les des manifestations, des prises de position dans les médias. Tout ça, voilà. On a essayé de nous faire entendre, de montrer qu'on était très déçus, que c'était une très mauvaise idée, cette fermeture d'école. Bon, on n'a pas été entendus. Est-ce que tu as l'impression que ça a impacté la vie des gens dans le village et puis surtout, quel a été l'impact sur les enfants? Bah, la vie des gens, oui, assurément, puisque ça chamboule complètement leur façon de gérer leur journée, puisque les horaires de bus ne sont pas les mêmes. S'ils venaient les déposer en voiture à l'école, ils sont forcément obligés d'aller au village d'à côté les déposer, donc ça les a impactés forcément. Et les élèves, peut-être encore plus, parce qu'il y a vraiment des élèves qui ont énormément de difficultés à vivre cette nouvelle vie dans leur nouvelle école. Ici, c'était, comme ils le disaient, de toute façon, même, c'était leur deuxième famille, voilà, l'école. Et là, ça n'a plus rien à voir, puisque c'est une école avec 173 élèves, donc ça n'a plus rien à voir avec une école à 40 élèves. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de changer les choses dans d'autres villages, dans d'autres écoles qui sont en train de fermer en ce moment? Est-ce que ça va continuer, tu crois? Est-ce que c'est quelque chose de global dans le pays? Oui, j'ai l'impression, puisque là, tout près d'ici, hein, là, c'est d'actualité, puisque alors pour l'instant, ce ne sont que des fuites de réunions, mais il y aurait prévision de fermeture de 3 nouvelles écoles dans 3 villages différents. Donc là, c'est absolument pas pour raison de baisse d'effectifs qu'ils ferment, c'est parce qu'ils veulent remplir les grosses structures qu'ils ont construites. Et voilà. Et donc, comme il y a moins d'élèves dans ces grosses structures-là, parce qu'il y a moins d'élèves partout en France, en général, donc ils prennent dans les villages où il y a encore des petites écoles pour aller remplir ces grosses usines à élèves. C'est sûr que ça doit faire bizarre de passer devant l'école et d'avoir cette espèce de silence. Oui, ça fait bizarre. Je sais qu'avec ma collègue, on revient régulièrement dans les locaux pour quand on a besoin de documents et aussi peut-être un peu par nostalgie, je ne sais pas, mais on revient régulièrement et c'est vrai que c'est toujours étrange de rentrer dans cette école et de ne pas entendre le bruit les cris des élèves. J'ai vu le Marel qui est en train de s'effacer aussi. Okay. Tout doucement, tous ces signes de vie qui sont en train de disparaître. L'école, c'est le lien quand même social entre les gens. C'est vrai qu'on le voit à la grille, à la fin des cours. C'est là que les parents se parlent, c'est là qu'on se raconte un petit peu le quotidien. Et si l'école n'existe plus, est-ce que... Que va devenir le village en quelque sorte? Est-ce que les gens vont venir dans le village ou alors est-ce qu'ils vont faire leurs courses dans le village d'à côté où il y a l'école qui est encore ouverte? Est-ce que finalement ça va pas tuer l'ensemble du village en fait? Ça peut jouer probablement, mais c'est vrai que pour les liens, pour les connaissances dans un village, quand on arrive dans un village, on scolarise ses enfants à l'école, on attend forcément plusieurs fois dans l'année les enfants à la grille de l'école, on sympathise et c'est comme ça qu'on crée des liens, qu'on se fait les amis dans le village, généralement ça part de ça. Alors du coup, on voulait savoir si ça vous intéresserait, toi et puis évidemment monsieur le maire et ta collègue, d'écouter la chanson avant qu'elle sorte. La chanson qui a été inspirée par évidemment par ton message que tu m'as envoyé, qui m'a beaucoup touché et puis et je crois que c'était important d'en parler justement parce que cette école-là, elle a fermé, mais il y en a plein d'autres qui ont un petit peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Moi, ça m'a vraiment beaucoup touché parce que aussi, je viens de la campagne et que je sais comment ça se passe. Et du coup, là, on voulait te faire écouter la chanson en primeur, évidemment, avant que tout le monde l'écoute. C'est une super idée. C'est important pour nous. Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est instit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe.
on est les oubliés. La campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, la peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Y'a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau. La campagne, les paumés, on est les oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, y a l'institut du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés. Voilà. Bravo. Ouais. Encore merci. Une fois, c'est des paroles qui... Ça fait mouche. Ah ouais, ouais, tout à fait. Hein, ça vraiment... ouais. À chaque fois, t'arrives à... Ouais, bravo. Merci, c'est gentil. À toujours cibler le... Enfin, je sais pas. C'est... Enfin, moi, c'est ce que je ressens à chaque fois dans tes chansons. Enfin, chaque fois, c'est ce que tu dis. Et là, on a l'impression ouais, que t'as vécu ici. Ouais, on a l'impression que tu étais là. Mais j'ai vécu la campagne quand même. Oui, oui. Comme on dit, ça sent le vécu. Oui, et puis c'est vraiment ça, ouais, en fait. Ouais. Je trouve que la fermeture de l'école, c'est le pire dans un village. C'est vrai qu'on parle souvent de plein d'autres choses, mais l'école, c'est... Ça c'est semble toutes les générations. Ouais. On a l'impression qu'après, ça fait ricocher. Quoi, voilà, c'est ça. Ou effet domino, quoi. Mmh. Après, voilà, c'est tout qui casse derrière, ou qui tombe derrière. Et même nous, dans notre métier, en fait, on a pu... Ah bah forcément, tu perds un peu la foi, ouais, quand... Mais tu perds l'espoir, ouais, tu perds la foi. Exactement, parce qu'ici, on ne comptait pas nos heures, et puis parce que, voilà, parce qu'on voyait ce que l'on faisait, puis on avait des résultats, c'était génial. Là. Je suis très touché, mais du coup, je voulais savoir pourquoi tu m'avais écrit à moi. Je suis intrigué. Oui, c'est un concours de circonstances, et... Ma collègue qui m'a généreusement offert une place pour ton concert. Et pendant le concert, donc c'était en plein milieu de nos actions, c'était moi. On commençait à avoir des doutes quand même sur l'issue, mais on était encore dans l'action quand même, c'était au mois d'avril. Donc en écoutant tes chansons, hein, qui sont les chansons qui parlent, qui m'ont parlé, puis j'ai l'impression qu'ils pouvaient parler de notre cause. Donc je me suis dit, bah, pourquoi ne pas essayer de nous faire entendre par l'intermédiaire peut-être de tes concerts, dire quelques mots. Je pense avoir mis ça dans le mail. J'avais dit, est-ce que tu peux parler de nous pendant tes concerts, peut-être, ou toute autre idée. Voilà, je m'étais dit, pourquoi ne pas utiliser ce média pour pouvoir faire
parler de nous. Et en même temps, déjà, c'est vrai que c'était déjà dans l'optique plutôt de faire parler des écoles rurales en général, puisque nous, au mois d'avril, on savait déjà que c'était très compromis. Mais essayer d'en sauver d'autres. Voilà, essayer de ne pas laisser tomber cette idée de « et si on faisait quelque chose pour maintenir les écoles dans nos villages ?» Bravo, en tout cas, d'avoir fait tout ça, parce que... Non, ben merci d'avoir... Je sens que... Parce que moi, j'ai la chance d'être dans la lumière et de pouvoir parler à peut-être plus de gens, mais je crois que ça part toujours des gens qui sont un peu dans l'ombre et qui font des choses toujours incroyables et que, pour lesquelles j'ai vraiment un très grand respect. Donc, Ouais, mais voilà, c'est exactement ce que tu dis, c'est que bah, nous, notre voix ne porte pas, justement. Mmh. Donc le seul moyen, c'est de s'appuyer sur des personnes comme toi, hein, pour pouvoir faire entendre des causes que l'un comme l'autre, on pense juste. Et voilà. Donc, c'est génial que voilà, si ça sauver peut, une école voilà, si ça peut, et au dans moins tout le pays, se faire. On aura bien fait de faire ouais, ça. Si les décideurs peuvent s'interroger davantage, prendre davantage de précautions quand ils font quelque chose, parce que là, ça a été ça aussi, c'est que ça a été annoncé sans aucune oui. précaution, quoi, c'était vraiment brutal. Donc voilà, s'ils peuvent faire différemment les choses en intégrant aux discussions, en intégrant le corps, les enseignants, en intégrant les maires des petits villages, tout bien ça, sûr. Voilà. Si ça pouvait... apporter ça, ce serait super, déjà. On croise les doigts. Exactement.